إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 30e leçon de cette série de Doros sur l'Itqan de l'imam Suyoti. Nous avons commencé les sciences relatives à l'interprétation du Coran. Nous avons dit que pour progresser dans la science du tafsir, la science de l'exégèse, il faut passer par des étapes. La première étape, hein, la connaissance du vocabulaire coranique. Gharib, Quran, ça, on l'a fait. Hum, les sciences relatives au vocabulaire euh, coranique. Bon, il se divise en trois branches. Euh, on distingue euh, bon, la connaissance des termes polysémiques, ce qu'on appelle le les termes ayant. Plusieurs sens. Hein? Nous avons des, des exemples. Comme euh, l'exemple de Umma. Umma qui signifie communauté. Ummatan wahida. Communauté. Il signifie un laps de temps. Hein? Un laps de temps. Waddakarabada ummatin. Il signifie imam. Inna Ibrahima kana umma, ça veut dire imam. Donc, ça, c'est le terme euh, polysémique. Euh, j'ai dit trois branches, donc la deuxième branche, connaissance de ce qu'on appelle nazarr, ça on l'a fait. Termes ayant en commun un sens déterminé. Exemple, dalal par exemple, dalal et le rey. Nous avons deux termes qui ont en commun un sens. Mais ce qui est subtil dans cette science, c'est que ce qui est subtil, c'est les différences entre ces termes qui ont en, en commun. Un, un sens déterminé, comme l'exemple que, que je viens de dire, dalal et l'oreille. C'est quoi dalal Donc dalal, c'est une forme d'égarement. Et le rei c'est une forme d'égarement. Ma sahibukum wa marawa, en najmi ma sahibukum wa marawa. Votre compagnon ne s'est pas égaré, ne s'est pas, n'a pas subi de dalal et n'a pas subi de rei. Donc dalal, c'est un égarement. Morale, c'est un égarement dans la conduite. Et le c'est un égarement intellectuel. C'est un égarement dans le mode, dans la façon de penser. Euh, troisième branche, c'est la connaissance des afrades. C'est ce qu'on appelle les exceptions. Ça, on l'a fait. Nous avons donné l'exemple du terme husban. J'ai dit que tout husban dans le Coran signifie calcul. Al-shams wa husban Surat Ar rahman le, 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 le soleil et la lune suivent un calcul déterminé. husban dans le Coran signifie, hein, signifie calcul sauf dans un seul verset, surat, dans le verset de la surat al-Kahf ou euh, sur l'histoire des deux des de, de deux personnes euh, dont, le, le premier qui dont la première qui s'est vanté d'avoir un jardin, etc. Et que le deuxième lui a dit, il se peut qu'Allah m'accorde un paradis meilleur que le tien et on voit contre euh, ton, ton jardin. Euh, un husban ça veut dire... Dans ce cas, « husban » veut dire un châtiment, une calamité. Donc, dans tout le Coran, « husban » veut dire calcul, sauf dans ce verset-là, où le « husband signifie euh, catastrophe, sinistre, calamité. Euh, donc, ça c'est concernant la première étape, connaissance du vocabulaire coranique. La deuxième étape, c'est la syntaxe coranique, ce qu'on appelle « ilm et ». Élément arabe, arabe, le verbe araba, ça veut dire afsaha, veut dire c'est clairement exprimé. C'est l'arabe, c'est la recherche du sens à travers l'examen des positions des mots, de leur agencement et de la structure de la phrase. L'arabe, il te donne le sens de base de la phrase ou du verset, si vous voulez la syntaxe. Mais c'est plus large que la syntaxe. En faisant l'arabe, j'esquisse ma première idée. Sur euh, le verset. Sa deuxième étape, c'est la science de l'Iraab, la science de la syntaxe coranique. Alors, la troisième étape. La troisième étape, c'est notre sujet. C'est notre sujet de la présente leçon et toutes les leçons qui vont suivre, Inch'Allah. Euh, la troisième étape, ce sont les sciences qui nous font connaître les portées des textes, les états des textes. Ahwal <laughs> al ce sont les sciences qui nous font connaître les portées des textes dans un contexte d'argumentation et de déduction. Les sciences qui déterminent les portées du texte coranique et le nomment en fonction de ces portées-là. Dans un contexte, comme j'ai dit, d'argumentation. C'est-à-dire quand on essaie d'en tirer un hook ou un enseignement, etc. Donc, il le nomme en fonction de, ce, de, 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 de ces portées. Tel texte est-il muhkam, péremptoire, dans le sens, c'est-à-dire, le sens est évident, ou mutashabe, c'est-à-dire dans le sens le sens où seul Allah en connaît l'interprétation, ou un mutashabe dans le sens d'équivoque, on ne sait pas s'il si, a tel sens ou s'il a tel autre sens, tel, tel, euh, euh, c'est-à-dire équivoque, c'est-à-dire ambigu. Ça c'est le sens de Mutashabe. Ou tel texte aussi, a-t-il une portée générale ou une portée particulière A-t-il un sens global ou un sens détaillé Moujmal et Moubayen hein? Est-il abrogeant Nasser ou abrogé Mansour. Euh, son sens est-il explicite euh, ou implicite et l'énoncé d'un tel texte est-il descriptif, descriptif ou qualificatif, khabar ou prescriptif, c'est-à-dire Inch'a, c'est ce que nous traiterons, dans c'est dans, dans les leçons qui vont suivre. Et nous allons commencer, insha'Allah aujourd'hui par le muhkam et le متashabe, le pérentoir et l'équivoque. Si on prend le « muhkam » dans le sens où le texte coranique a été parfaitement structuré, parfaitement établi, c'est-à-dire dans le sens de l'itran de perfection, alors de ce point de vue, tout le Coran est « muhkam ». Comme a dit Allah, « alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussalat Hakim hakimin khabir alif lam Voici un livre dont les versets ont été parfaitement établis, oui, exposé dans leurs détails de la part du sage de l'omniscient. Ça c'est dans le surat Houd. Donc ça si on prend dans ce sens-là, alors tout le Coran est muhkam, il est, il, est il est bien établi, il est bien structuré. Si on prend le mutashabia dans le sens où les mots et les versets du Coran sont liés, entre eux dans un rapport de convenance, ils sont harmonieux, ils tournent autour des mêmes thèmes, savoir la connaissance d'Allah, la connaissance de, euh, de l'envoyé d'Allah, du jour dernier, du reib etc. Euh, si on prend le moutachabé dans ce sens-là et dans le sens des versets qui se ressemblent et qui, qui dit ressemblance, dit tachabo, alors de ce point de vue, tout le Coran et moutachabé, ces éléments sont harmonieux. hein il n'y a pas de discordance entre eux. Ces éléments se ressemblent par leur perfection, leur beauté, leur éloquence. Et, on en, et, et ils ont en commun les mêmes thèmes. Euh, comme a dit Allah dans le Coran, Allah fait descendre le plus beau et le meilleur des récits à un livre mutashabé cest dire harmonieux, dont les éléments se ressemblent. Mathani, comme je l'ai expliqué dans, dans le premier cours, hein, vient du verbe sana, faire deux, doubler, réitérer. Hein. Sana a aussi le sens de plier. Donc dans Mathani, il y a alternance, alternance des promesses et des menaces, les promesses. Euh, promesse du paradis, de récompense, du bonheur, des menaces, euh, menaces du châtiment, de l'enfer, le malheur, etc. Euh, euh, donc alternance, alternance des qualités des gens du bien et des gens du mal. Euh, alternance, les histoires et les lois, etc. Donc bref, de ce point de vue, le Coran est entièrement Dans le sens, comme j'ai dit, ces éléments se ressemblent, il est harmonieux, il y a alternance de ces... De ces versets. Non, ce que nous allons faire, nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau simple, mais nous allons au plus profond du sens, c'est-à-dire à la distinction entre le muhkam et le mutashabeh, auquel fait allusion le verset connu de la sourate Al-Imran. Vous connaissez ce verset-là? Hein, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات hmm. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله jusqu'à la fin du verset hmm. ça commence par c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre qui contient des versets محكمات péremptoires constituant la mère du livre et d'autres qui sont cherbes. Ce verset comporte plusieurs enseignements. Il est riche en enseignements. Mais nous allons mettre l'accent sur ce qui nous concerne dans notre sujet. Hein? Je rappelle que là il a consacré à cette étape-là, c'est-à-dire les sciences permettant de connaître les portées des textes, il lui a concerné hein, le troisième volume de son Ishkhanah. L'étrane est composé de quatre volumes. Il lui concernait tout le troisième volume de son étrane. Et il a commencé ce volume-là par le chapitre que nous abordons maintenant, à savoir le muhkam et le Mutashabeh. Ch 43e chapitre hein, passage évident, muhkam et passage équivoque, Mutashabih. Le muhkam c'est quoi le mukham, c'est quoi Les versets ayat muhkam, Ayatun muhkamat? Dans le verset ci-dessus. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre qui contient des versets Ayat, Ce sont les versets dont la signification est fermement établie de par leur caractère explicite et détaillé. Comme a dit Mujarir al-Tabari rahimahullah. الشيخ دزغزجت الذي واما المحكمات فانهن اللواتي قد احكمنا بالبيان والتفصيل. Selon les versets dont la signification ferme est établie de par leur caractère واما المحكمات فانهن اللواتي قد احكمنا بالبيان والتفصيل واثبتت حجج وأدلتهن على ما جعلنا ادله عليه من حلال وحرام ووعد ووعيد وتواب وعقاب وأمر وزجر وخبر ومثل وعظة وعبر وما أشبه ذلك وأثبتت حججهن وأدلتهن لزرغمو إلى بروف كي ستروف أمبليك دمانيار بيرانتوار سون في دكوا إزانتتي إنانسي Les arguments et les preuves qui s'y trouvent impliquent de manière péremptoire ce en vue de quoi ils ont été énoncés, à savoir halal le haram, le licite ou oh, l'illicite, ça c'est péremptoire hein? le licite, les choses bonnes, l'illicite, le porc, le vin, l'usure, ça c'est clair c'est péremptoire, évident les promesses le wa'ad et la menace, promesse du paradis, hein, de, de, de bonnes récompenses, l'honneur le bon, pour les bienfaisants, ça c'est pérantoire, muhkam. Hein, la menace, menace du châtiment, châtiment de l'enfer hein, contre les pécheurs, ça c'est muhkam. Wa, wa wa, wa sawab c'est la récompense, a'iqab c'est punition wa khabar wa mithal, l-l-l, wa amar wa zdr avon, wa thawab wa aqab wa amar wa zdr, wa amar wa zdr, les inter, les ordres, les interdits. wa khabar wa mithal, les récits et les paraboles ou les exemples, les récits bon les histoires des prophètes, ça c'est péremptoire, ça c'est des khabar, c'est clair, c'est des récits vrais. wa adat wa aibar, adat les exhortations et les enseignements en structure, les les aibar et tout ce qui va dans ce sens-là. Donc tout cela, il est pérentoire. Il est pérentoire. Les lois, les, les peines de droit, les prescriptions, la salade, le jeûne, les aquettes, etc. Le moutachebé. Et c'est ce qui accepte plusieurs significations. susceptible d'être interprété de telle manière et de telle autre manière. À cela s'ajoute ce dont on ne connaît pas la réalité. Concrète, ça c'est mutachabé, comme les états du jour dernier, hein, la nature de l'âme, hein, la nature des attributs d'Allah, comment Allah s'est établi sur le trône, hein, la venue d'Allah pour juger les créatures, hein, et certains exégètes, ils ajoutent aussi les muqatta'at, à savoir, Alif Lamra, Kaf Mim. Ils disent que ça, seul Allah en connaît l'interprétation. Donc, si vous voulez, le moutachabé est de deux sortes. Il y a le Mutashabé absolu. Seul Allah on connaît la réalité. La réalité concrète du paradis, de, de l'enfer, les, les, les états du jour de la résurrection. Ça, seul L'âme, la nature de l'âme. Ça, est seul Allah connaît l'interprétation, oui, c'est-à-dire la réalité concrète. Et le Mutashabé relatif. C'est celui qui a plusieurs significations. Mais le savant, par son ishtihad, peut faire prévaloir une signification hein, sur les autres en le ramenant au muhkam, au Il peut s'approcher de la vérité. D'accord Et certains savants ajoutent aussi parmi le moutashabé le mansour, l'abrogé. C'est lui qui a fait descendre sur toi. Le livre qui contient des versets muhkam, constituant la mère, la mère du livre. Parmi les significations de la mère du livre, c'est la majorité du livre. Ce qui prédomine dans le Coran, ce sont les versets muhkam. Donc l'essentiel du livre du Coran est muhkam. Om aussi, Om, um, comme vous savez, hmm, signifie mère. Donc il dit mère, il dit source. Donc c'est la référence. C'est la mère, la source à laquelle on ramène le mutashabeh. Le mutashabeh, c'est comme les enfants. On les ramène à leur mère. Donc c'est la référence. C'est le muhkam qui juge sur le moutachabé et non l'inverse. Donc, quantitativement, le muhkam constitue la majorité du livre. Et qualitativement, ou pour être plus clair, méthodologiquement, il constitue hein, la référence à laquelle on revient quand on est devant un verset, un verset ambigu, incohérent, équivoque. Hmm Allah, il dit, umul wa mutashabihat. il a dit, au lieu de ukhara". il a dit ukhar". Le terme ochrar, qu'on traduit par autres, les autres et d'autres, hein, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre qui contient des versets Pérantoires, constituants constituant la mère du livre, et d'autres qui sont ambigus qui sont équivoques. Alors, okhar indique que le nombre des versets moutachabé est en petit nombre. Allah n'a pas dit okhar, il a dit okhar. Et ça, ça indique qu'il est, que le nombre du moutachabé est en petit nombre. Parce qu'en arabe, vous savez, le, le pluriel a plusieurs formes. Il y a des pluriels qui indiquent un grand nombre d'individus. Il y a des pluriels qui indiquent un petit nombre d'individus. Hein? Euh, comme par exemple ni femme mais c'est un grand nombre de femmes. Ça. Et si je veux dire un petit nombre de, 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 de femmes, hein, j'emploie le pluriel ni soit ni un petit nombre ni un grand nombre. Alors ni soit une fille dans un, un petit cercle de femmes restreint. La femme de l'excellence, la femme du Aziz, du roi, est en train d'attirer de, 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 euh, euh, son, son employé, de, 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 de le séduire. Niswa veut dire un petit nombre. Shuhur, un grand nombre. Ashur, un grand nombre de mois. C'est le pluriel, Shahar. شهور سي لو بلوريال دو شهر سي لو مي لانديك ان غران نومبر انديفيدو اي اشهر سي ان بيتي سي لو بلوريال ريسترا داكور دو ميم الله سبحانه وتعالى الى دي ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات الا بادي Il n'a pas dit qui contient des versets mouakam et des versets moutakabé, il a dit qui contient des versets mouakam et d'autres... Okhar, qui sont moutakabé. Okharo vient du y Et autre, mais il vient du ta'khir Et ta'khir c'est quoi C'est ajourner, c'est mettre en second degré. Donc... O'cha signifie qu'ils sont moins importants, moins importants que les premiers. Leur degré en matière d'argumentation et d'énonciation, il, il est, il est, moindre. Donc, il faut ramener le mutashabih au muhkam, interpréter le mutashabih, l'équivoque, pardon, sous la lumière du muhkam. D'accord Quand Allah dit Subhanahu wa ta'ala », quand il dit, Inna Allah pardonne tous les péchés dans ce lot de zomar. Quelqu'un va dire, oh, je peux commettre les péchés que je veux. Allah pardonne tous les péchés. Ah, il suit le moutachébé. Non, il faut revenir au muhkam. Il faut se référer au muhkam. Le muhkam, c'est quoi C'est qu'Allah ne pardonne pas le shirk. qu'Allah pardonne, pardonne particulièrement à ceux qui se repentent. Wa inni la rafarun liman mantab wa amana wa amil salihan salihansum. Mais c'est d'comment dire la dans ce lot de taha. Je suis enclin, je pardonne volontiers à celui qui se repent, à celui qui se, qui croit, ouais, Amin, celui qui œuvre pieusement, Amin al saalihansub mithada qui se qui suit la bonne voie. D'accord? Donc, faut ramener le mutashabeb au muhkam. Quand Allah subhanahu dit par exemple, Inna kalat hadi man ahabbet quand il dit à propos de son prophète sallallahu wa sallam Tu ne guides pas qui tu aimes, ça dans surat al qasas Et dans un autre verset, il lui dit. Tu guides certes vers une voie de rectitude. Quelqu'un qui suit le Moutachabé et dont le cœur s'imprègne de ce qui est équivoque, il verra, une, il, il verra une, une contradiction entre ces deux versets. Dans un verset, il tu guides, dans un autre verset, tu ne guides pas. Là, il faut recourir au muhkam dans le Coran. À savoir que la guidance dans le Coran signifie montrer la voie, indiquer le chemin. Et c'est cela là la mission du Prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'indiquent beaucoup de versets du Coran. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Le verset, la tu, euh, euh, tu guides certes vers euh, un droit chemin. Et la guidance veut dire aussi inspirer de suivre la bonne voie, tourner le cœur de quelqu'un de la mécréance à la foi, de l'égarement à la guidance. Et ça, Seul Allah on a le pouvoir. D'accord C'est dans ce cas, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'autre verset Tu ne guides pas qui tu aimes. Tu ne guides pas que tu, euh, qui tu aimes, qui tu veux. Hein? Tu n'as pas le pouvoir sur les cœurs des gens. Donc il faut, faut bien revenir au mouh. comme pour dissocier c'est ces, ces versets là pour dissocier le, pour, pour dissiper hein, pour dissiper toute chouba et toute ambiguïté euh, quels sont pardon quelles sont les raisons de la révélation du mutashebe du, du, du de l'équivoque ben, premièrement pour montrer l'imminence la supériorité de la science d'Allah. Et que, quel que soit le niveau de science que puisse atteindre le savant ou l'exégète, il ne peut pas embrasser toute la science du Coran. Hein? Comme il existe un raïb un mystère, un non-manifeste dans l'univers, il existe un raib dans les signes révélés, dans les versets du Coran. Allah a dit Walillahi raibu sama'wati wa Allah appartient à la connaissance du Reib, du nom manifeste, des cieux et de la terre. Le Reib des cieux, ce sont, hein Le Reib des cieux, les anges, la table gardée et d'autres mondes. Et le Reib de la terre, bon, l'âme, déjà, roh l'âme qui se trouve dans notre corps, dans le corps de, chaque, de chacun de nous, on ne, ne connaît pas sa nature, c'est du Reib, hein, les signes de l'heure. Les signes qui ne sont pas encore manifestés, comme le Messie Haddajal, l'Antéchrist, euh, c'est du reib. Il ne s'est pas encore manifesté. Il y a ils ne sont pas encore manifestés. D'accord D'après les hadiths que nous avons, les textes coraniques, ils ne sont pas encore euh, manifestés, contrairement à ceux qui prétendent le contraire. Hein? L'une des sagesses sous-jacentes à la révélation des versets Moutachébé, c'est la mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve de l'intelligence hein, de l'esprit, l'esprit peut acquérir le savoir qu'il peut et peut atteindre le niveau euh, de la faculté de déduction et d'argumentation qu'il peut, mais à un moment il s'arrête devant le voile du raib. Le voile du non-manifeste. La raison est limitée. Il ne lui reste qu'à se soumettre et à reconnaître sa faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sait alors que vous, vous ne savez pas. Et il a dit, hum, vous n'avez reçu que peu de sciences. Quand la raison n'arrive pas à concevoir un moutachebe, le corps doit, le cœur, pardon, doit se soumettre. Donc cela est censé, nous, inspiré de l'humilité et de ne pas nous, de, de, de nous enorgueillir de notre science, comme il est censé de nous pousser à prendre davantage le ilm pour percer ces Mutyachabé-là. Donc c'est une mise à l'épreuve de notre foi pour que nous ne faisions, nous, nous faisions pas prévaloir le Mutyachabé sur le muhkam l'équivoque sur le, le, Et c'est une mise à l'épreuve de notre esprit pour faire aussi plus, davantage d'efforts. Pour comprendre. Euh, Allah dit dans la suite de ce verset-là hein, Quant à ceux qui ont une déviation dans le cœur, ils suivent ce qui en est équivoque pour semer le trouble et la confusion et pour, euh, par recherche de son ta'wil. Par recherche de son interprétation, mais ta'wil ici veut dire interprétation vaine et falsificatrice. Ils suivent le et ils suivent leur passion. Ils interprètent les versets selon leur passion. Et en, se, en, en, en suivant le Moutachabé, on peut, on peut aller loin, hein, on peut même autoriser le, le coffre la mécréance. Hein? Quand Allah dit La vérité vient de votre Seigneur, que celui qui veut croire, croire, et que celui qui veut croire le fasse. Hein? Quelqu'un qui suit le M'teshabé, il va dire bon, liberté de choix. Comme si le, la foi et le coffre de la mécréance sont sur le même pied d'égalité. Hein? Il, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer l'œil sur le muhkam dans ce contexte-là. C'est qu'Allah a menacé le mécréant de châtiment terrible et lui a indiqué, lui a montré la voie, la bonne voie pour qu'il la suive et se dépouille de sa mécréance. Donc, le mutashabe, la révélation mutashabe, il établit un menage instructif, productif, à savoir qu'il faut croire au mutashabe et aussi qu'il faut apprendre davantage et d'essayer de le comprendre. Car Allah nous a ordonné de méditer tout le Coran, sans distinction entre le Muhakam et le mutashabe. Il a dit, était ça c'est général. Celui-là est un livre, le Coran est un livre que nous avons fait descendre sur toi pour qu'ils méditent ces versets, qu'ils en méditent les versets. D'accord Donc on médite le mach... On médite l'équivoque, le, le mutashabé, bien qu'on n'arrive pas en fin de compte à en percevoir la réalité. Et il reste toujours une zone d'ombre, petite ou grande, selon le savoir de chacun. La suite du verset. <musiques> Or, <much> nul. <Stellen> Nul connaît la vraie interprétation sinon Allah et ceux qui sont fermes en science. Or, nul n'en connaît la vraie interprétation sinon Allah et ceux qui sont fermes en science. Ce passage peut être expliqué de deux manières, suivez-moi. Cela dépend du fait s'il y a une rupture syntaxique entre nul n'en connaît l'interprétation sinon Allah et la phrase ceux qui sont enracinés dans la science. Or nul n'en connaît la vraie interprétation sinon Allah et ceux qui sont fermes en science. Est-ce qu'il y a une rupture entre les deux Au cas où le waou de arraṣiḥun est une conjonction, est une conjonction, c'est-à-dire elle, elle opère un rapport d'annexion entre ces deux phrases, c'est-à-dire le et le et. Or nul n'en connaît la vraie interprétation sinon Allah et, et ceux qui sont fermes en science, c'est-à-dire la la, la phrase est continue et donc le, 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 la particule E est, est une conjonction qui lie les deux. Au cas où ce wa ou le E, le, E-T, le, 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 cette particule est une conjonction et elle opère un rapport d'annexion Entre ces deux phrases, alors, alors dans ce cas-là, ceux qui sont enracinés dans la science connaissent l'interprétation oui, du Mutashabe, ce qui nous ramène à ce que je viens de dire, à savoir que tout le Coran est sujet à la méditation et à l'interprétation. D'accord Donc, selon cette lecture-là, où il n'y a pas de rupture syntaxique, or nul n'en connaît la vraie interprétation, sinon Allah et ceux qui suivent, qui, qui s'enferment en science. La phrase continue. Il y a annexion claire. Donc, selon cette lecture-là, où je ne m'arrête pas sur Allah, je ne dis pas or nul non connaît la vraie interprétation, sinon Allah et je m'arrête point. Alors, selon cette lecture-là, où il n'y a pas d'arrêt, donc, ceux qui s'enferment en science connaissent l'interprétation du Coran. Et cette explication, elle est adoptée par de nombreux exégésistes, Et d'ailleurs, l'imam le il, il fait allusion dans, dans un de ses de ces chapitres. Il a écrit le... Le passage suivant, enfin, dans le liminaire, euh, il a écrit Il a écrit le passage suivant du verset, ceux qui sont enracinés dans la science. Puis il a fait suivre du verbe Il a dit, ça veut dire, qui eux aussi savent le ta'wil. C'est-à-dire qu'ils en connaissent le ta'wil. Selon la deuxième lecture, ou le waw est une particule de Commencement, ce qu'on appelle Wa'ul qui opère une rupture syntaxique. Et donc, n'est plus martof, n'est plus annexé à Allah. point. Or, nul n'en connaît la vraie interprétation, sinon Allah, point. Et ceux qui sont fermes en science disent Nous y croyons. Tout vient de notre Seigneur, il y a une rupture syntaxique, il n'y a pas d'annexion. Selon cette lecture, les gens enracinés dans la science n'en connaissent pas le Oui, ne connaissent pas l'interprétation. Cette lecture-là est aussi valable, hein, mais elle est valable quand on entend parler au Mutashabé certaines choses qui relèvent du Reib absolu. À savoir la réalité des états du, du, du paradis, de l'enfer, la nature des attributs d'Allah, la nature de l'âme. Donc, selon cette lecture-là, qui implique que ceux qui sont enracinés dans la science ne connaissent pas l'interprétation, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas l'interprétation, le il veut dire là. La réalité concrète des choses du paradis, des choses de l'enfer, le comment le, des le, le, choses concernant les attributs d'Allah, l'âme, la nature de l'âme. Ça, les gens de science ne le connaissent pas. Ça, c'est du raïb. Donc, les deux lectures sont valables. Ceux qui sont enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout vient de chez notre Seigneur. Même si nous ne les cernons pas de notre science, nous nous, nous y croyons. Contrairement à ceux qui ont négligé les versets sur la promesse, nous les gens de la Sunna, nous croyons à tout le Coran, à tous les versets. Hein? Contrairement à ceux qui ont nié. Yeah ou négliger les versets sur la promesse et du pardon des pécheurs, et n'ont affirmé que les versets de la menace. Les Wahid comme les et les, et les sont allés plus loin, ils sont allés jusqu'à nier les hadiths sur l'épreuve de la tombe, parce que cela n'entre pas dans leur faible esprit. Leur faible esprit ne conçoit pas ces réalités-là. Et il y a ceux qui ont fait l'inverse, c'est-à-dire ceux qui ont négligé les versets sur la menace. Ils ont affirmé les versets sur la promesse du paradis, comme les Jamites et les Mourgea. Contrairement aussi à ceux qui ont donné des interprétations falsificatrices des versets qui vantent les mérites des croyants et, et, des, et des épouses du Prophète, comme, ou les, les mérites des compagnons et des, et des épouses du Prophète, comme les chiites, hein, qui ont nié ces versets-là, leur ont donné une interprétation Hein, les versets qui disent bon, que les mères, que les épouses du professeur sont les mères des croyants, que l'Allah la, la, a agréé les, les compagnons du professeur, eux, ils, ils donnent des interprétations falsificatrices à ces versets-là. C'est donc une mise à l'épreuve de la raison et de la foi. C'est une mise à l'épreuve dans le sens qu'il faut connaître qu'il faut connaître. Sa propre valeur, qu'on doit être humble et que notre esprit est limité. C'est une mise à l'épreuve pour que les savants aussi rivalisent de compréhension et de déduction et essaient de dépasser les uns les autres en mérite. C'est ainsi qu'Allah élève certains savants sur d'autres. Donc le Moutchachabé, là, c'est l'objet de rivalité pour que. Les savants essaient de le percer, de sonder ce, ce Mutashabé-là et de, 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 de donner un peu de lumière sur certaines ombres, zones d'ombre qui constituent le Mutashabé. Hein? Voilà, Subhanahu wa dit Regarde comment nous avons élevé les uns au-dessus des autres. D'accord Élevé en matière de foi et de science. Euh, L'un des fruits du, du Mutashabih est d'inciter les savants à déployer leur intelligence pour percer les finalités des versets et des enseignements hein, divins. Et là, subhanallah, on le constate quand on consulte les livres du tafsir. Un seul verset, tu trouves qu'à Tabari, on a tiré des enseignements auxquels tu ne pensais même pas. Tu consultes le tafsir d'Ibn tu découvres. Qu'il a mis en évidence d'autres subtilités, Ibn Atiyah pareil, Abu al Andalusi, Fakhrazi. Subhanallah, des choses extraordinaires. Hein? Et, et, et tant pis pour les esprits bornés et les ennemis de la diversité qui te disent c'est ça l'explication de tel verset, rien d'autre. Subhanallah, qu'Allah nous, nous préserve contre le rigorisme et la raideur. Dans la révélation du Mutashabi, il y a une indication à, à l'universalité de la mission prophétique et à l'universalité du Coran. Les, les, les perspectives du, du Coran en matière d'exégèse et d'argumentation demeurent ouvertes tout au long de l'existence de l'homme sur Terre. Malgré les multiples interprétations, les multiples explications, chaque geste fait l'effort d'interprétation chaque il a son enjihad il demeure subhanallah il demeure toujours une zone d'ombre qui offre d'autres possibilités d'explication hein? subhanallah la source coranique ne tarie jamais et elle est porteuse d'une énergie extraordinaire qui ne se dissipe, qui se, qui ne se ne, ne, ne s'éteint pas avec le temps hein subhanallah donc il, il, il demeure toujours une zone d'ombre qui offre d'autres possibilités d'explication hein, et qui livre encore d'autres secrets. Tel verset, il est possible de l'expliquer de cette manière ou de telle autre manière. c'est euh, euh, le, 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 le texte coranique, il garde toujours son apogée, sa délèle, sa signification optimum. Et ça, je, on va le voir, inshallah, euh, quand on arrivera à la balara, à la rhétorique coranique. Le mutashabih est une preuve de la précédence du Coran. Le Coran demeure toujours, demeure le meilleur discours. Avec son muhkam et son mutashabih. Le muhkam a ses fruits et le mutashabih a ses fruits. Nous n'avons qu'à regarder les livres d'exégèse sur l'explication des versets des Ahkam, des prescriptions Ayat al les versets du sam, du jeûne, du pèlerinage, les, la succession, l'héritage, les, hein, les zakat, la salat, etc., les ablutions. Bon, euh, quand, on dit, quand on regarde les livres des exégèses selon les madhahibs, chacun expliquant ces versets selon son madhahib. Tu lis par exemple Ahkam al-Qur'an, l'il-Jassas, et comment l'imam al-Jassas tire les arguments des versets pour prouver les jugements adoptés par son école. للمذهب حنفيت باغي بور المذهب مالكيت تولي احكام القران لابن العربي واحكام القران للامام القرطبي اي كومون يل تيغ لي زارغيومون فافور دو سو مذهب الكيل هراسي احكام القران الكيل هراسي دون المذهب الشافعيت كومون يل ارغيومون تو فافور سو مذهب سي سيت اكسترا اوردينير سيت ديفيرسيتي اي سيت ريشيس كوفر لو متشابه دون سونس Bon, nous allons passer, Inshallah, à une autre portée des textes, à savoir le moujmel et le moubaïen. Le moujmel et le moubaïen. Le texte à caractère global, recouvrant de, des notions implicites, moujmel, et le texte dont le sens est clair, à savoir le moubaïen. Bon, d'un certain point de vue, le moubaïen à savoir le texte clair, hein, texte clair est comparable au muhakam opératoire puisque le muhkam, comme on a dit, celui dont la signification est fermement établie de par son caractère explicite et détaillé. Donc c'est pareil de ce point de vue, il est, il est comparable au, au mubayyin, au texte clair bien explicité. Le mujmel est comparable au mutashabe, à l'équivoque. Hum. Si, si on veut esquisser un schéma des portées des versets coraniques, comme ça, vous, pour, pour que vous puissiez avoir une idée globale et pour que vous, si vous, vous puissiez vous repérer, ben je dis, nous pouvons classer les portées, les portées des textes coraniques en quatre catégories, et diviser en quatre catégories. Ben, il existe des sciences qui étudient la clarté du texte, et de son, caractère, hein, de son caractère équivoque ou de son incohérence. Jusqu'à quel point il est clair et jusqu'à quel point il est équivoque. Degré de clarté et degré d'incohérence. Dans cette catégorie, on distingue le muhkam et le mutashabe, le peremptoire et l'équivoque. Le mubeyan, hein, le texte détaillé et clair, et le mujmel, le texte à caractère hein, euh, qui recouvre des notions implicites. Global. Et puis nous avons le chas, le texte à portée euh, particulière et le texte ayant une portée générale. Le chas hein, rime avec Moubeyen et, et avec le Mouakam. Le chas, il est comparable au Moubeyen et au parce que le texte à portée particulière, il est clair dans, dans le sens où il spécifie et précise. La chose. Le général, il est comparable, l'âme, il est comparable au mujmal, au global, et au mutashabi, à l'équivoque. D'accord Nous avons le muqayyid et le mutlak. le texte accompagné d'une restriction, d'une restriction, muqayyid, et le texte employé sans aucune, sans autre détermination, c'est-à-dire le manière absolu. Le muqayyid, il va dans le sens du muqkam et du, du moubaïen, du, de l'explicite, et du khas. Euh, parce, pourquoi Parce qu'il restera sa portée est bien limitée. Il est clair dans ce sens-là. Le mot-là, c'est ce texte qui est énoncé sans restriction. Et là, il nous pousse à chercher dans d'autres textes s'il y a un passage qui en limite la portée. Hein. Il est moins clair de ce point de vue. Donc toutes ces portées, toutes ces portées-là, bon, ça, on entre dans la première catégorie. D'accord Je l'ai classé en quatre catégories. Et ces portées-là, Soyoté les traits dans, comme j'ai dit, dans le troisième volume de son étrange. consacre à chacun un chapitre. Donc le mouchachaabe, le Mujmal, le global, le ham, le, le général, le, le mutlak, c'est-à-dire texte sans détermination, employé de manière absolue, absolue ont comme point commun l'incohérence, le manque de clarté. Et donc, on ramène le moutacha à au muḥkam. On ramène le global au texte détaillé. On ramène le général au particulier, au texte, à la restriction, parce que général, bon. Puis on cherche s'il est restreint, s'il si si, y a un texte qui en restera à la portée. Le texte, euh, ouais. le texte dans euh, dans le sens qui comprend une condition limitative. Hein, euh, le texte. Euh, euh, sans conditions limitatives on le ramène au texte qui est, qui est restreint est le, on, on ramène le mutlaq au muqayyad d'accord donc le muhkam le moubayyad, le chas, qui est le particulier et le muqayyad avec ses conditions limitatives en, en, en point de commun la clarté, Elles sont plus claires, plus précis et ce degré de, de, de clarté varie Hein, ce degré de clarté, il varie. Même dans le muhkam, le péremptoire, on peut dire qu'il est muhkam en vertu de son sens clair, déduit du vocabulaire du texte ou de la structure du texte. Et parfois, le muhkam, il est sous forme de, de déclaration textuelle explicite, claire. Sens littéral, il est déclaration claire. Et c'est ce qu'on appelle un nas, catégorique formel, il n'accepte aucune interprétation. Hein? Les, les, les savants citent euh, comme exemple du NAS les versets où il est mentionné euh, le nombre, comme Allah سبحانه il dit <muches> hein? celui qui n'en trouve pas, oh, il ne trouve pas euh, d'offrande, à sacrifice pour le pèlerin <muches> hein? qu'il jeûne pendant trois jours pendant le pèlerinage et sept jours lorsqu'il retournera chez lui. Cela fait dix jours. « Fa malam yadid fasiyamu salatatil ayyamin fil hadji wa sabayatin idharajatum tilka acharatun kamila » C'est clair. Dix jours de jeûne. Ça c'est un « nas ». D'accord

4 mois et 10 jours. La veuve qui n'est pas enceinte. Hein? Donc, ça, c'est un texte explicite, clair, nas formel, catégorique. C'est le haut degré du péremptoire. Alors, premier degré, on a parlé de. Euh, on, a, on a divisé ça en, en, en quatre degrés. Deuxième catégorie. Pardon. Deuxième catégorie. Parmi les portées des textes, il y a celle qui dépend. Qui dépendent de l'aspect du texte dont on tire l'argument ou le hokum. et là on parle de textes pouvant être compris selon leur sens couvrant, courant, selon leur sens obvi, courant, selon leur sens explicite, et c'est ce qu'on appelle le mentor ou de textes pouvant être compris selon leur sens implicite, c'est ce qu'on appelle mafhoum. Je vais donner des exemples pour chaque catégorie, Inch'Allah, parce que là je, je, je parle globalement et je vais détailler, Inch'Allah. Troisième catégorie, ça je vous donne un schéma. Troisième catégorie, il porte sur la continuité du Hukm ou non. Est-ce que l'énoncé juridique tiré d'un texte ou ce qu'implique ce texte comme enseignement est en vigueur, n'est pas limité par le temps ou au contraire, il s'est arrêté à un moment Là on distingue les versets abrogeants et les versets abrogés. C'est ce qu'on appelle un mansur. Nous allons parler de ça. Et quatrième catégorie, il y a des séances du Coran dont l'objet est la recherche des contradictions apparentes du Coran, pour les dissiper. Le but, c'est quoi C'est pour les dissiper et montrer que ce ne sont pas des vraies contradictions. Et c'est ce qu'on appelle Mushkil el Kitab ou Murtalif el Kitab, texte pré présentant des, des apparences contradictoires.